je vous emmène en cuisine avec moi pour concocter un délicieux repas de fête, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire, pour le jour de l'an. Je vais vous partager un repas facile, rapide, mais qui en jette quand même un petit peu pour les fêtes. Je vous propose qu'on fasse un feuilleté en forme de couronne pour l'entrée. Ensuite, il y aura un gratin dauphinois, mais qui change de la recette habituelle, un tartare de saumon aux fruits exotiques. Je vais vous montrer aussi une jolie façon de présenter votre fromage. Et en dessert, on va préparer des petites bûches. J'espère que le menu vous plaît. C'est parti pour aller en cuisine. Drive alone in December. On commence par le gratin dauphinois et il va y avoir une petite variante parce qu'on va mettre de la patate douce à l'intérieur et je vous assure que la recette c'est une pépite, c'est hyper bon. Donc on commence par éplucher 500 g de patate douce et 500 g de pommes de terre. Maintenant, on va venir émincer les pommes de terre et la patate douce en tranches assez fines. Moi, je me sers du découpe-minute du Thermomix et franchement, ce truc, c'est une tuerie, c'est un gain de temps de ouf. Mais vous pouvez très bien prendre une mandoline ou bien le faire à la main avec un couteau. L'idéal, c'est d'avoir des tranches de patates qui sont quand même assez régulières. Je viens ensuite éplucher une gousse d'ail et ensuite je la mets dans le Thermomix pour la mixer. Bon, bien sûr, là je vous présente la recette avec le Thermomix, mais vous pouvez la faire à la main ou avec n'importe quel robot, c'est super simple. Une fois l'ail mixé, je viens racler les bords pour bien tout remettre dans la cuve et je viens rajouter 10 g d'huile d'olive. On rajoute 500 g de crème liquide entière et je viens ensuite mettre mes patates douces et mes patates. J'oublie pas l'indispensable, la noix de muscade. Je sèle, je poivre et ça part en cuisson pendant 15 minutes à 100 degrés. Pendant ce temps, j'en profite pour mettre mon four en préchauffe à 180 degrés. Comme d'hab, je vous mets les recettes dans la barre d'infos, comme ça c'est plus simple pour vous de les retrouver si vous voulez les reproduire. Voilà ce que ça donne au bout des 15 minutes de cuisson. Franchement, au début, j'ai eu un peu peur parce que j'ai trouvé que c'était super liquide. Et en fait, non, une fois que ça part au four, franchement, vous allez voir, cette recette, elle est délicieuse. Si vous la testez, vous serez pas déçus. Donc, je commence à en mettre dans un petit plat à gratin et j'en ai mis aussi dans un plus gros à côté. Ensuite, ils préconisent de mettre des tranches de cheddar à la truffe. Alors moi, j'ai juste trouvé du cheddar normal. Mais pour les fêtes, le cheddar à la truffe, c'est parfait et ça fait vraiment plus festif. Et ensuite, on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Et ça, c'est un plat aussi facile pour tous les jours avec du cheddar normal sans forcément la truffe à faire à la maison. C'est hyper bon et réconfortant. C'est
C'est parti pour la deuxième recette et on va préparer la couronne d'étoiles. Donc je viens de prendre une petite brique de coulis de tomates, je la verse dans un saladier et je viens émietter du thon à l'intérieur. Donc là je vous propose avec de la tomate et du thon, mais franchement vous pouvez faire par exemple avec du fromage à tartiner, avec du saumon, du pesto, enfin voilà, il y a énormément de variantes. À la limite j'aurais préféré avec le saumon fumé, avec le fromage à tartiner, mais vu que je faisais du thon en poisson pour le plat, je me suis dit que j'allais changer un peu et mettre du thon. Et évidemment je vous propose que des recettes sans viande parce que nous on mange pas de viande à la maison, où c'est vraiment exceptionnel, donc là c'est des repas végétariens. Je viens prendre ensuite une pâte feuilletée rectangulaire pour que ce soit plus simple et que je puisse faire plus d'étoiles. Et je viens étaler mon mélange de thon et de sauce tomate. Je viens recouvrir avec ma seconde pâte feuilletée. Je vais venir sur mon papier cuisson tracer un cercle, donc à l'aide d'une assiette par exemple, et ensuite je retourne le papier cuisson pour pas mettre la pâte feuilletée directement sur le crayon à papier. Et ensuite je me munis de mon emporte-pièce en forme d'étoile et je viens faire mes petites étoiles dans ma pâte feuilletée. Alors vous voyez, dès que ça, c'est le problème de la pâte en fait, dès que ça chauffe un peu, c'est un peu galère. Donc là j'ai fait toutes mes petites étoiles et ensuite j'ai mis une vingtaine de minutes je dirais au congélateur pour que ça durcisse un peu et pour que je puisse venir prendre mes étoiles plus facilement. Mais vous voyez, j'avais mal emporte-piécé. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Et du coup, avec mon emporte-pièce, y a certaines étoiles que j'ai dû bien rappuyer pour bien recouper. Et une fois qu'elles sont toutes coupées, je viens les mettre les unes sur les autres en suivant mon cercle. Je viens bien les chevaucher. Et ensuite, je vais mettre un petit mélange de lait et de jaune d'œuf par-dessus pour que ça puisse dorer à la cuisson. Ça c'est optionnel, mais je trouvais que ça faisait sympa de venir saupoudrer un peu de graines de pavot dessus. J'ai mis aussi quelques graines de sésame par-dessus. Et j'ai rajouté quelques baies roses pour la déco. Ça part ensuite au four pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et la petite astuce quand vous préparez à l'avance, c'est de ne pas faire cuire en entier. Moi, vous voyez, j'ai mis à peu près un quart d'heure, donc c'est pas totalement cuit, mais comme ça, le jour J, on n'a plus qu'à repasser ça au four avant de servir une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour que ce soit bien chaud, feuilleté et que ce soit meilleur. On passe ensuite à la troisième recette et ça va être les bûches individuelles au chocolat. Dans une casserole, je viens verser 50 centilitres de crème entière à 30%. Et je rajoute 200 g de chocolat pâtissier. Et en attendant que ça fonde, je viens mouiller 2 feuilles de gélatine. What happened was a one-time thing. No bullshit.
Et là, vous ne faites pas comme moi, vous vérifiez bien votre cuisson parce que c'est comme le lait, ça va super vite à chauffer et après ça déborde de partout. Une fois que le chocolat a bien fondu, vous venez rajouter vos deux feuilles de gélatine et il faut bien bien les essorer. On va venir le verser dans des moules. Donc moi j'ai eu mon moule comme ça sur Amazon. Franchement ça coûte pas très cher. Et en plus c'est une super marque, enfin c'est hyper qualitatif comme marque. Donc si vous voulez faire des petites bûches individuelles, eh ben, je vous conseille cette marque là. Au pire je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce qu'en plus ça se démoule super bien. Une fois que c'est versé, je vais aller mettre ça au congèle. Et en attendant, je suis venue faire chauffer du chocolat. J'ai mis à peu près 120 g de chocolat pâtissier et je suis venue rajouter de la crêpe dentelle à l'intérieur. Donc j'ai commencé avec un paquet de deux crêpes dentelles. Ensuite, j'ai vu que c'était pas assez. Donc j'en ai rajouté un deuxième. Donc en tout, 4 crêpes dentelles. La catastrophe que j'ai fait, en fait j'avais fait un mélange de chocolat avec 50 000 crêpes dentelles et c'était beaucoup beaucoup trop compact, ça faisait pas du tout le résultat escompté. Et vous voyez, j'avais commencé avec mon autre mélange sur 2-3 bûches et en fait c'était une catastrophe, donc j'ai recommencé. Là ce que je vous conseille, parce que moi en fait j'en ai mis trop là. Vous voyez, quand je vais démouler, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compact et il faut vraiment mettre une fine couche et pas faire comme moi. Donc ça, c'est mon petit conseil. Ou sinon, je me suis dit mettre juste peut-être même une crêpe dentelle. Peut-être que ça peut faire l'affaire sans forcément vous la tremper juste dans du chocolat et vous venez la poser sur la bûche. Moi, je pense que ça aurait pu être sympa aussi comme ça. Donc je sais pas parce que j'ai pas testé. Mais là, faites pas comme moi à blinder en fait la bûchette en dessous. J'ai tenté un premier démoulage, mais finalement les bûches elles n'avaient pas assez pris au froid, donc j'ai laissé encore toute l'après-midi dans le congèle et j'ai redémoulé le soir et elles étaient beaucoup mieux prises et le démoulage s'est fait très facilement. Regardez, c'est beaucoup mieux en fait, elles sont beaucoup plus nettes et j'ai vraiment pu les démouler facilement. Donc je viens les disposer sur un joli plat et au-dessus j'ai décidé de mettre des petits chocolats en forme de cadeau que j'avais eu à Aldi. Alors je sais pas s'il y en a encore, je les trouve plutôt sympas et je trouve que c'est mignon pour la déco. Au début j'avais mis un peu de sucre glace mais en fait vu que c'est un peu humide, le sucre glace il tenait pas dessus. Par contre si vous testez cette recette, je veux absolument que vous me le dites parce que c'est addictif, mais c'est une tuerie au niveau du goût, c'est vraiment beaucoup trop bon. On passe ensuite à la troisième recette et ça va être notre tartare de saumon. Et on commence par venir prendre une grosse cuillère de fromage à tartiner qu'on va venir mélanger avec une cuillère à soupe de sauce soja. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. La veille, j'avais été acheter mon saumon frais que j'ai coupé en tout petits dés et il a passé la nuit au congèle parce que c'est quand même préconisé quand on mange du poisson cru de le mettre un petit peu au congélateur avant. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé décongeler tranquillement quelques heures avant de préparer ma recette. Donc là, je viens verser directement mes dés de saumon. Je viens ensuite couper très finement une échalote. Thank you.
Je rajoute à l'intérieur un peu de ciboulette et je viens citronner le tout pour éviter que l'avocat y noircisse. Je viens mettre un fruit de la passion. Je sale et je poivre. On s'occupe ensuite de la salade de fruits exotiques. Donc je commence par éplucher pareil en petits carrés un avocat. En fait, c'est le secret du tartare. Il faut vraiment que tout soit épluché finement en petits cubes. Le terme exact, c'est en mirepoix. Donc moi, je connaissais pas ce terme. Je me suis couchée moins bête. Donc je vous le partage comme ça. Vous êtes au courant aussi si vous entendez parler de cette façon de couper. Et je viens faire la même chose avec la mangue. Dans ma salade de fruits, je viens rajouter deux fruits de la passion. D'ailleurs, vous allez voir un peu d'échalote là dans ma salade de fruits parce que au début, je me suis plantée et j'ai mis l'avocat au-dessus du saumon. Donc, il a fallu que je vienne récupérer mes morceaux d'avocat pour les mettre dans une assiette à part. Et forcément, j'ai pris un petit peu d'échalote au passage avec. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pour mettre au-dessus du saumon. Donc, il n'y avait pas grande différence en termes de goût. Place maintenant au montage. Donc j'ai mis un petit peu de salade quand même pour habiller l'assiette et je suis venue prendre un petit cercle. On vient mettre le saumon qu'on vient bien tasser à l'intérieur et juste au-dessus on rajoute un petit peu de salade de fruits. Et tadam! C'est pas beau ça, franchement ça donne pas trop envie, en tout cas c'était juste trop trop bon. C'était la première fois que je faisais un tartare et je pensais que c'était plus difficile que ça et en fait non, c'est super simple à faire. Et pour l'habiller, n'hésitez pas à mettre quelques graines germées au-dessus, c'est super beau, moi j'en avais pas sous la main. Et ensuite je suis venue prendre mon cercle pour mettre mon gratin dauphinois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un petit peu le dessus avec le fromage. Je suis venue prendre de la patate douce et des pommes de terre. Et ensuite, le fromage, je suis venue le mettre juste par-dessus. Et voilà, une jolie assiette faite très facilement. Maintenant, je vous propose une jolie façon de présenter du fromage. Donc dans un petit bol, j'ai mis un mélange de ciboulette, de noix concassées et de grenade. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la tête de ma grenade? Non mais franchement, j'étais dégoûtée quand je l'ai ouverte. Elle était limite blanche. Franchement, elle n'avait pas beaucoup de goût, j'étais deg. Bref, donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi pour Noël, si vous avez besoin de grenades, de trouver des belles grenades rouges. Donc je viens mélanger tout ça dans un petit bol. Je viens couper mon fromage, donc moi j'ai fait qu'une moitié parce que c'était juste pour la vidéo. Donc je coupe en petits quartiers et ensuite ces petits quartiers je vais les couper en deux. Et je viens tout simplement mettre du miel et comme vous l'avez compris,
tremper mes petites tranches de fromage dans le miel et ensuite dans mon mélange grenade, ciboulette et noix. Et je répète l'opération sur tous les quartiers de fromage. Je les ai ensuite disposés sur une petite planche. On peut même planter un petit bâton de bretzel pour faire les petits troncs des sapins. Ça peut être sympa aussi. Moi, je les ai disposés comme ça en forme de sapin et ça peut être très joli, genre habillé avec du raisin à côté, des fruits, avec d'autres fromages pour faire un joli plateau. Voilà le résultat de toutes les recettes. Je vous laisse déguster avec les yeux. Je vous conseille vraiment toutes les recettes si vous voulez les tester parce que franchement c'était vraiment bon, il n'y a pas eu un seul loupé. J'ai adoré les faire mais j'ai aussi adoré les manger. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude mercredi. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Bye !